Précédemment, dans le Inside Montreux Comedy. Crois-moi ou non, Bill, je suis venu ici pour les femmes et les plages. Come to the draw, my ass-licking cocksucker motherfucking son of a bitch. Réjouons actuellement vers le Best of Web, une réunion de tous les comiques un peu 2.0. C'est vraiment un peu colline de vacances, mais colline de vacances de milliardaires, un peu quand même. Je suis arrivé et puis jusqu'à il n'y a pas 5 minutes, je ne savais pas du tout ce que je devais faire. D'ailleurs, je ne sais toujours pas, si tu peux m'expliquer. Avec tous les gens qui sont dans Best of Web, on va rentrer et on va leur dire « Alors, ça va? Vous allez être contents ?» Les gens qui font « Ouais !» Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour tous les artistes qui sont là pour vous. Certains d'entre eux au Comedy Club à 18h30. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous demande de raccompagner les artistes avec vos applaudissements. On retourne au Comedy Club parce que ce soir on joue, à 18h30 on joue. On monte sur scène. Notre petit plateau du Moïse, ça va être vachement cool. Mr. Bill est attendu, là actuellement ça fait deux jours qu'il y a des mecs qui campent. Ouais, qui attendent. Pour être au premier rang. Let's go to the Comedy Club. Hey, ça les fans, ça va bien? Kiff. Arrêtez, pas de photos. Allez, trop de photos. 400 personnes, Comedy Club. Ah non, on va produire Pierre. Moi je passe en combien? Avec Yvick, avec Norman, on est dans une toute petite cave, on joue quasiment tous les jours un truc qui s'appelle le Panam. Le Panam! Du coup ça fait toujours plaisir de faire des grosses scènes comme ça avec, avec ces autistes. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous, est-ce que ça va? Mieux que ça, est-ce que ça va? Ce soir, avec les humoristes qui viennent du web, et ce soir, ils sont devant vous, sur scène. On commence tout de suite avec le premier artiste. Veuillez applaudir, Monsieur Poulpe. Si moi, je vous arrête pas, vous faites leur nombre, mais ça s'arrêtera avant. Est-ce que tu veux checker les clashs avec ta guitare pendant qu'on y est sur les titres qu'on fait? On se met sur les clashs Et ben voilà, on est à quelques minutes du début du gala, la carte blanche à Michael Gregorio. La force de ce gala, je dirais que c'est son côté live, c'est-à-dire que tout le jingle, tout est en live, il n'y a pas de musique en boîte. Là on est vraiment là où il y a tous les artistes qui vont jouer ce soir sur le Montreux Comedy Festival. Là c'est des fauteuils, je peux te dire tout à l'heure il y a un mec hyper connu qui était assis dessus. Ça va les gars? Ça va? Ils sont excellents les deux. Il y a un ami Michael Gregorio, le petit gars, comment il est petit? Et donc ouais. Michael. Non mais il a pas le temps, parce qu'il fait ses trucs. So if you want me off your back. Well, come on. Je me suis glissé dans les coulisses. Je ne sais pas du tout, apparemment il y a un spectacle ce soir. Donc je vais venir quand je veux. C'est un petit peu la surprise de ce soir. Michael Gregorio, il est là. Ça m'avait aidé. Il est comme il est petit. Mais il est excellent. Franchement, regarde. Mais Daft Punk, je peux dire, c'est pas chanté. Non. Mais moi, je peux dire, c'est bien chanté Daft Punk. Tu fais mal. La pression va monter un petit peu. Dans quelques minutes, il va se passer le grand gala de comédie de Montreux. Le grand gala de comédie de Montreux. La voix flinguée. Comment vais-je faire?